Respirez profondément, J'essaie. jusque dans le bas du ventre. 1, 2, 3, inspirez. 1, 2, 3, expirez. On va faire une pause. J'ai toujours des émotions énormes quand vous mettez la main sur mon cœur. Et quand quelqu'un ment ou dit quelque chose de mal, c'est toujours là que j'ai comme un coup. C'est quoi ce coup? Un coup dans votre corps émotionnel. C'est-à-dire? Nous sommes éduqués dans la croyance que rien n'est réel au-delà de ce que nous percevons directement au moyen de nos sens ordinaires. Par exemple, vous pourriez choisir un passé différent. Un passé différent? Oui. Ou un futur différent. Ça veut dire au sens propre ou au sens figuré? Au sens propre. Je comprends. Il faut de la pratique. Un petit peu de théorie et beaucoup de pratique. Quelle pratique? On reprend. Oui, quand tu mets la main sur le cœur, ouais. Tu peux la mettre sur le sein, hein. J'ai toujours l'impression que t'es gênée. Un peu, oui. Vas-y, carrément. Okay. Hein? Toi, t'as des commentaires? Ouais. On pourrait prendre plus de temps au moment de la respiration. Tu sais, quand j'essaye de la calmer par la respiration. Mm-hmm. Oui, mais alors il faut que je joue plus la souffrance pour qu'on voit que tu calmes par la respiration. Mm-hmm. Ouais, plus haut, technique, hein. Ouais. Je suis là. Réplique à la fin, sinon je répète toujours la même chose. Calmez-vous, calmez-vous. Mmh. Oui, c'est mieux. Écoute, je mange vite un petit truc, puis on y va. Ok. Dans ma famille, il y a que des restaurateurs. Mmh. Et quand je vais chez un de mes frères, il me sert toujours un gigantesque morceau de steak que je dois manger devant eux. Et ils me parlent. Ils me parlent pendant tout le temps que dure leur repas. Chez nous, on dit que donner à manger à l'autre, c'est lui fermer la gueule. À la mort de mon frère aîné, on a décidé de se retrouver tous ensemble 6 mois plus tard pour un barbecue. Et bah 2 semaines avant la date, ma mère m'appelle et m'explique que ça se passera bien dans la petite maison de mon frère dans la forêt, mais que ça sera la gigantesque marmite de coco vin, comme avant. Moi j'ai dit non. J'ai dit que la nouvelle génération avait décidé du repas et que on n'allait pas revenir aux vieilles traditions. Le barbecue, bah là au moins tu peux bouger, tu peux circuler. Ça a téléphoné dans tous les sens pendant 2 semaines, en gueulant, en pleurant. Finalement, le barbecue a eu lieu, tout s'est très bien passé. 2 de mes frères sont pas venus depuis, on se parle plus. Bon, stop, on arrête, j'en ai marre.
Ah bah attends, on avait dit 16h. Oui, mais il est 15h30, j'en ai marre. On passe pas la soirée ensemble? On avait dit pas ce soir. T'avais dit peut-être. Peut-être c'est non, j'ai un autre truc ce soir et t'as rien fait pour arranger les choses. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me parles pas comme ça, hein? T'entends comment tu me parles? Je t'aime, je veux pas te perdre. Arrête de pleurnicher! T'es trop dur avec moi. Moi, je m'y retrouve pas. On arrête là, on continuera demain. Ça, c'est une réplique pour acteur. Oui, et alors? Et alors, on est entre nous, entre amoureux. Ah bon? Tu mélanges tout. On arrête là, on continuera demain! Peut-être un petit peu calmer le jeu là, non? Oui, sinon ça gueule tout le temps. T'as pas oublié une réplique pendant le maquillage? Non, je crois pas. On reprend? Demain. C'est l'heure, hein? D'accord. Oui, on a bien avancé, on a bien travaillé. À demain alors. Salutos! Salutos! Ce que vous pensez qu'il est. C'est-à-dire? Tout ce qu'il y a dans le monde, illusion. Le moindre petit bout du monde, illusion. Vous comprenez? Tout ce qui comporte espace et temps est illusion complète. Comme si c'était un film. Oui, voilà. Un film tourné par qui? À votre avis? Je sais pas. Par moi. Voilà, c'est bien. Maintenant, tu peux prendre ton sac et tu sors. On va évidemment la doubler. Oui. Lui paraît, c'est pour bien. Moi, c'était bien. Seulement, la fin, j'ai pas. J'ai entendu une bonne position. D'accord. Je rentre ici? Oui, c'est bien. Et voilà. Non, tu peux fermer la porte et tu termines en rangeant la pièce.